Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 3 de My Colony. Donc il s'est passé juste quelques minutes depuis depuis la dernière coupure. J'ai simplement créé... Oula, attendez, j'ai le jeu qui... Voilà, ok, j'ai le jeu qui se remet en marche, donc évidemment. Voilà, donc j'ai créé une troisième partie de Shelter, donc voilà, donc ça arrive. Enfin, c'est déjà là même. Donc j'aurai 92 colons pour le moment. Enfin, j'ai une limite de 92 colons pour le moment. Il nous manquait... Alors, oui, alors, j'ai vu que le jeu me demandait énormément... Je l'ai vu en fait en revisionnant les deux épisodes précédents, hein, voilà, de la vérification avant la mise en ligne, qu'il n'y avait pas de coquille et que le son était bon. Donc, il demande une charcoal hutte, mais je sais pas pourquoi. Ça sert à brûler le bois. À mon avis, ça, en fait, parce qu'il me demande comment, une hutte de charbon régulièrement dans les messages en bas. Vous l'avez certainement vu dans les deux épisodes précédents. Mais apparemment, c'est juste pour stocker le bois. Mais je sais que le stockage de bois viendra après. Alors, dans les recherches. Alors, on a... Oui, on avait l'école. Qui était... Voilà. Qui pouvait permettre donc d'améliorer le QI de nos colons. Finalement, j'ai réfléchi, donc on attendra encore un petit peu avant de la faire. De toute façon, voilà, il faut 2000 d'acier. On ne les a pas. Donc voilà, affaire réglée. Et par contre, j'ai vu, voilà. Donc la vente celle hors raffinerie, elle est là. Et elle me demande que 600 d'acier. Entre guillemets, que 600 d'acier. Donc pour chaque usine que j'ai là, ben, je vais les upgrader. Et à chaque fois, ça me coûtera 600 d'acier. Cependant, ce que je peux faire, c'est créer d'autres usines, en fait, tout bêtement. Et ça me demande pas d'acier. Donc je vais plutôt partir là-dessus, je vais créer 5 usines de plus. Et ce sera du temporaire. Oula, le jeu galère vraiment là. Alors attendez. Donc, 1, 2, 3, 2. Là ça en fait combien là ? 4 et 5. Hop, voilà, je recrée 5 de plus. Ça me consomme que du fer et puis je vais pouvoir produire de l'acier un peu plus rapidement. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Donc, j'ai également ça. Ah, ça me demande que 500 d'acier. Ça va être le prochain truc qu'il me faut absolument, le Durable Goods Warehouse. C'est juste une usine de stockage? Je pensais que c'était autre chose. Attendez, je pensais que c'était autre chose. Non, ok, je confonds avec la Microchip Factory. Par contre, donc ça, c'est un espace de stockage en plus. Donc, au niveau de ça... Ah, on peut... Alors, attendez. Donc ouais. Donc on va partir là-dessus. Sur les finances coloniales. Hop. Et donc là, on a énormément de choses qui ont été développées. Enfin, qui sont constructibles. On va filtrer un petit peu. Ça doit être là. Non. Ouais,
management. Non, non, oui, ouais, c'était pour les. Non, j'ai pas pour le. Bon, attendez, hop. Binning. J'ai trouvé, hein. Je le fais maintenant, hein. Je. Hop. Tant que je peux. Bon, alors j'ai ça. Ah ouais, 4500. Ok, bon bah ça va, c'est pas pour maintenant, dommage, parce que c'est. Ah ouais, mais il va me falloir ça. Il va me le falloir. Donc ça va être la priorité. C'est le mass driver, c'est ce qui me permet en fait de pouvoir vendre des ressources à la Terre et donc déjà en partie payer mes impôts. C'est une source de revenus basée sur les ressources. Et donc c'est là qu'on peut partir après sur tout ce qui est fabrique de boissons. Sachant qu'on peut aussi vendre de l'eau, voilà, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment accentuer la flotte. Je pense qu'on va faire ça, accentuer la flotte. Alors, je voulais tester un truc, parce que vu que les patates, c'était abusé. Donc, ça me rapporte combien par tour? Ça me rapporte 3. Sachant que ça, c'est pas upgradable, il me semble pas. Si les puits sont plus abusés, bah je les détruirais pour remplacer par des puits qui en plus ne consomment pas d'énergie. Okay. Ah d'accord, par contre c'est les. Ok, c'est les fermes de bois là, enfin les forests qui. Ah d'accord, donc il l'a construit. Et donc ça rapporte. C'est comme les. Ok, d'accord, c'est exactement comme les. Bah là je sais pas trop. L'avantage c'est que ceux-là n'utilisent pas de. Ah oui mais si mais si eux ils sont upgradables. Eux ils sont upgradables. Je. Donc non. On va pas construire les puits, on va construire des water pumps. Et ils sont upgradables les pompes. Les atmosphères condensées. Voilà, toi par contre. Parce que je voulais. Tu as bougé là. Donc, ok. Donc, on a plusieurs possibilités là. Soit on upgrade tout. Alors, sachant qu'en fait, je passe de 3 salariés à 6 salariés là-dedans. Bon, des. Si c'est comme ça, j'en crée plus parce que j'ai les roues. Voilà, je vais peut-être en avoir besoin d'un petit stock. C'est où? Alors, il y a aussi. Voilà, il y a aussi ça. On peut le construire rapidement. On va construire. Alors, est-ce que ça tient là? Ouais, ça tient là. Hop, allez, on va construire ça là. C'est une infirmerie.
soit on upgrade au fur et à mesure dès qu'on a 600, 600K. Mais je trouve pas ça ouf dans l'idée. Sachant qu'on va upgrader que ces 5-là. Soit on attend d'avoir 4000K pour avoir le truc pour le mass driver. On attend. On va attendre. Et je vais. En attendant que ça monte, je vais m'occuper des ressources. Donc ils sont où? Ils sont là. Donc normalement j'ai un rover inactif. Voilà, il est là. Et donc, on va construire les quelques dépôts qu'il manque. Y a d'autres je vais dézoomer hein, évidemment pour ça. Alors toi t'es vide. Toi aussi. Ici il y a encore des ressources et tout ça c'est marqué. Ok. Alors. D'accord. Ici aussi, j'ai des pots qui sont vides. Alors, vous l'avez peut-être vu, il est apparu tout seul. La forêt se développe également hein, pendant. Voilà, sur la Terre, la forêt se développe. Et j'espère qu'ils ont rectifié ça parce que c'était en partie ce qui faisait ramer le jeu. Quand il y avait trop de forêt, ça faisait ramer. Ok. Bon voilà, je construis énormément de dépôts de ressources, hein, mais c'est vraiment pour... Donc ça en fait combien? Ça en fait déjà une trentaine. Et ils ont de quoi faire, hein, les véhicules là. Bon, bah ça m'en fait... ouais, je vais en faire un autre plus là aussi. Hop. Celui-là.
est pas trop mal là. On est pas trop mal. Allez, on confirme. Comme ça, voilà, ça va occuper un petit peu les boîtes. Donc je suis déjà à 1000 d'acier et j'ai encore... Alors attendez, parce que par contre, est-ce que j'ai les banques? Alors c'est que... Est-ce que ce serait possible? Bah, tout simplement, hein. Non, je les ai pas encore. Bah, c'est dans quoi? Ah d'accord, c'est ici, c'est dans Colonialiste Civils. Donc ça va être important aussi. Ça va être important parce que c'est ça qui va déterminer notre indépendance. Bon allez, on va commencer à partir sur la boisson. De toute façon, je crois pas que ça coûte d'acier ça. Donc, tout est là, la distillerie, le rhum c'est là. Donc ça me consomme un petit peu de bouffe et d'eau, simplement. Et si ça me coûte un petit peu d'acier. Ah, bon. Là, attendez, j'avais dit aussi que je ferais un truc, donc je le fais rapidement. Hop. Et pour ça, bah, je vais le faire là. Donc attendez, donc il me faut. Est-ce que j'ai le... Il me manque un élément. Il me manque le bar. Ok, c'est pour ça. Et donc le bar, lui... Il est où le bar? J'ai la distillerie, j'ai le stock de rhum. Mais j'ai pas le pub. Faut d'abord que je construise la distillerie et le rhum cellar pour pouvoir l'avoir dans ma liste. Et bon, on va faire ça. De toute façon, enfin, en soi, le pub, c'est pas extrêmement important. C'est surtout. Surtout la distillerie et le rhum cellar, quoi. Donc, on va créer les routes avant, pour une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est. On va partir comme ça. Okay. Donc là, on va également faire cette route-là. Et on va tirer une parallèle ici. Ok, on va faire ça comme ça. Et là, on va créer nos distilleries. 5. Alors, est-ce que j'en construis que 5? Honnêtement, je pense que c'est suffisant. Et je crée mes storage derrière. Ok, donc ça, et maintenant
Comédie serrée, tout ça secret. Est-ce que je peux créer le pub? Il me manque quelque chose pour le pub. Qu'est-ce qui me manque pour le pub? D'accord, ils ont pas de progression tant qu'il n'y a pas de salariés dedans. Bon bah pareil, hein, ça fera des emplois. Alors, justement, est-ce que j'ai... Je peux upgrader ça. Ça te coûte combien upgrade? Ça va me coûter de l'acier ça. D'accord, c'est pour les transformants tower et ça me coûte 90 par tank. C'est parce que j'approche des 15K de flotte, ouais. Bon, on va en upgrader quelques-uns. Histoire de... J'en ai upgradé une ligne. Ça, puis y a... Puis pareil, en bouffe, je suis en limite. Donc tant pis, on va upgrader un petit peu les silos. C'est pas ouf. Après, je sais qu'il y a un upgrade de plus, je crois, pour les stylos, mais je suis pas sûr. On verra. Excusez-moi, je crois que voilà, vous avez une petite coupure à l'image. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. C'est parce que j'ai regardé dans Action, c'est pour ça. Alors. Donc il me faut, j'ai dit 4000, hein. 4500. Bon, et eh ben, en attendant, donc on a nos distilleries, tout ça, on va attendre. Le pupol pour ça. Ah oui, et par contre on a ça. Oh, ça me coûte 1000 d'as. Ah, aïe, aïe, aïe. Là, c'est le problème, c'est que tout coûte de l'acier et que je galère à en produire. Ah d'accord, mais genre, si t'as pas d'employé, tu produis pas, toi. Ok, donc entre la sous-population et le reste... Non, 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 non. C'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est ça que je voulais. Population... Donc 57, tous des humains. Âge moyen 24. Oups, ce que je voulais. Moyenne de QI 70. Ah bah bon, ça va. Entertainment. Économie. Unemployment, voilà. Ah d'accord, on a eu des périodes avec du chômage, mais...
Et donc voilà. Et donc on a 52% de jobs vacants. Donc il faut au moins... Voilà, ok, d'accord. Donc il faut qu'on ait 119 en population pour être à peu près sûr de... Enfin, pour bien faire tourner notre cité là. Là, on est à la moitié des emplois occupés, quoi. Est-ce que j'équilibrerai pas? Ah. Il faudrait 400, mais la gold, ouais, l'avancée gold mining, ça, hop, je prends. Et ça me permet de créer, alors je sais pas, ah, là, ici, des mines d'or. Et bon, bah, ça me coûte encore un petit peu d'acier, mais ça me permet de produire de l'or un petit peu comme je veux. Mais c'est pas exactement ce que je veux, hein. C'est pas... Enfin, quand j'aurai plus d'or, de toute façon, voilà, faudra que je max là-dessus. D'ailleurs, en parlant d'or... Donc ici, j'ai mes deux extracteurs d'or qui font des allers-retours. Donc ils font le travail. Faudrait que je m'en crée un peu plus, mais je crois que pareil, créer des golden. Hop, ouais, ça me coûte un petit peu d'acier. Ah, les taxes de la terre. Commence vraiment à payer, hein, non? Donc il me faut vraiment le truc pour le truc pour faire du commerce. Ou alors il faut que je commence à imprimer des pièces de monnaie, mais je sais que ça part très très vite après l'or et qu'on a besoin de l'or après. Quoique maintenant on peut construire les mines d'or, alors est-ce que c'est encore un problème? On va faire ça, allez. Ouais, mais par contre pareil, ça va encore coûter de l'acier, cette merde. Sans acier? Sachant que je vais en construire 5, donc ça va me coûter 500 d'acier. Et ça me demande en plus des travailleurs. Donc, bah pour le moment, on va prendre notre mal en patience. Mais on va tomber à court de fonds assez prochainement, quoi. Bon, ici, donc, j'ai mes... J'ai les mineurs d'or qui sont partis aller miner là-bas. Bon, c'est pas plus mal. Bah écoutez, j'en ai marre d'avoir ce message en bas. Donc je vais juste me créer une... Une centrale à charbon... Enfin, une hutte à charbon quelque part. Elle me demande pas de toute façon d'acier, elle me demande qu'un peu de bois. Donc je la construis où? Ouais, je vais la construire là. Allez, hop. Confirme. Et par contre, donc, ouais, alors je vais juste attendre que ce soit construit. Voilà, ok. Et donc là, ça va me créer du charbon. Mais si je le désactive... Non, si je le désactive, ça me fait même pas un stock de charbon.
Enfin, ça me fait même pas un stock de bois en fait. Je suis obligé de le laisser actif et donc il va me consommer du bois pour créer du charbon. Je sais pas à quoi peut servir le charbon. Mais on va tenter. Allez, tant pis, on va tenter. On tente quand on sera plein en bois. Quand on sera plein en bois, je le réactiverai. Donc, ça, c'est bon. Alors, question, ça me coûte. Ouais, ça me coûte de l'acier aussi. Donc là, pour le moment, on patauge un petit peu, hein. Steelyard, c'est quoi ça? D'accord, c'est un stockage pour l'acier, spécifique à l'acier, et ça donne un petit peu d'argent. Étrange. Ah, j'ai ça. Pourquoi pas? Mais honnêtement, pour le moment, j'en ai pas besoin. Non, bon, bah, je vous dis, on attend, on attend. Et donc eux par contre, ouais, vu que j'ai pas de salariés ici, ça traîne. Alors niveau ressources, donc après il y a le diamant. Microchip. Honnêtement après il va me falloir. Alors j'hésite. Honnêtement je pense que je vais plutôt partir sur le colonial. Sur sur le civisme colonial. Donc pour ça, il me faut 400 points. Donc là, il n'y a pas, faut attendre que les ressources montent. Alors, je voudrais. Tiens, le payroll. Hop. Bon, au moins nos colons ils sont payés. Après, voilà, quand les taxes seront trop abusées, justement, bah, je dirais non aux taxes pour pouvoir payer mes colons parce que c'est plus important que les impôts. C'est plus important que les impôts de payer nos colons. Donc c'est un petit peu long, hein, mais on va y arriver. Après, je peux tenter un truc. Allez, je vais tenter un truc. Alors peut-être pas celle-là. Allez. D'accord, donc non, en fait, il dégage pas quand je les désactive. Il reste en poste, visiblement. Bon, bah, tant pis. Parce que je voulais, en fait, virer tout le monde de ces trucs-là pour qu'ils aillent travailler dans la grosse. Mais apparemment, non.
Bon, je suis à 165, 192. Donc, dans tous les cas, de toute façon, il va me falloir au moins 119 colons. Donc, on va peut-être construire une zone d'habitation de plus. Peut-être même deux. Voilà. Ça, de toute façon, ça me consomme pas d'acier, donc ok, je suis à 134, je suis à 140. Et je suis même à 150, voilà, 152 en limite de population. Donc largement de quoi couvrir mon. Setting. Statistique, c'est ça que je voulais. Tiens, j'ai du non-emploiement. Ouais, mais c'est peut-être. Bah, comment ça se peut que j'ai du non-emploiement? Ah, que j'ai du chômage, alors qu'il y a du boulot, quoi. D'accord, j'ai les économies moyennes de mes colons également. D'accord. Sympa ça. C'est sympa. Alors après, il y aurait la solution de construire un deuxième land pad pour aller plus vite au niveau population. Et ça en plus, je crois que ça me consomme pas d'acier. Ouais, ça me consomme que 1000 de fer. Est-ce que je fais un deuxième land pad? Allez, hop. On va faire ça comme ça. Ça va faire arriver nos colons deux fois plus vite. Alors, j'ai 300 en recherche. Et j'ai commencé à avoir un petit peu de rhum. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je suis à 3200 de d'acier. Ah d'accord, les pubs ils sont là. Alors les pubs, qu'est-ce qu'il me faut? Ah d'accord, ok, donc il me fallait du rhum pour pouvoir créer le pub. Bah soit. Sachant que les pubs, en fait, je comptais les créer là où j'ai créé le land pad, en fait. D'où sortez-vous?
Pourquoi vous avez été aussi loin? Il y a des ressources plus proches, enfin, c'est débile. Ils ont contourné l'océan pour aller chercher ça, je sais pas pourquoi. Alors que honnêtement, il y en a des plus proches, quoi. Faire ça simplement. En plus ils sont cons, ils ont. Ouais, parce que vraiment le pathfinding, il trouve que ça c'est le plus court, mais c'est débile. Donc la flotte va poser des problèmes sur le pathfinding. Oh purée, j'y crois pas. Ok, d'accord. Donc il y a un problème de pathfinding. Va falloir que je vide l'océan. Falloir que je vide l'océan, et bah pour ça. Pour ça, c'est pas très compliqué, hein. Donc il me faut. Hop, on va prendre ça. Puis on va créer des waterbots. De toute façon, je peux en créer. Voilà, j'en ai créé 10. Et puis ben. Commencer par là. Sont partis ou. Là, je sais pas où ils sont là. D'accord, ils sont tous là. D'accord, ok, c'est parce qu'ils disparaissent de la carte un petit peu. Et puis évidemment, ils vont aller amener ça à un tank, c'est ça? Évidemment. Donc peut-être que le plus malin, ce serait que je construise rapidement un petit tank. Genre ici. Comme ça au moins ils auraient pas allé à Perpète. Et puis ils peuvent commencer à me vider la flotte par là quoi. Attendez, j'ai deux unités là, mais. Non, c'est move quoi, je voulais. Quoi? Vous déconnez là? Vous êtes pas bloqué? Sont bloqués. Ok. Donc il faut que je construise un endroit quand même qui soit. Voilà. Donc toi. Bon, ok, parfois. Par contre, ils se téléportent. Ils sont un peu paumés parfois. Mais c'est pas grave. Bon, bah, l'avantage c'est que ça va me ramener de la flotte. Et la flotte, bah, je vais pouvoir éventuellement la revendre. Parce que voilà, il n'y a pas de problème. Ah oui, d'accord, je pompe 2000 litres par minute. Ok, tout va bien.
Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qui me reste? Alors, chier, pour 2000, je pourrais construire l'école, mais non, il me faut absolument le lanceur. Et je vais avoir besoin d'énergie. Et pour l'énergie, ben je vais devoir upgrader un petit peu. Ça va me retarder un tout petit peu, mais trop fort rien. D'accord, ok, si. En fait, ça consomme masse. Chut. Je suis bon là? Bon, je suis bon. Ah, je suis retombé en dessous de la barre des 4000 pour. D'accord, ça m'a consommé 270. Ok, bon, bah. Ça coûte combien cette merde? Ah ouais, ok, d'accord, j'ai consommé 300 et c'est pour ça que. Bon, c'est pas grave, de toute façon, l'énergie, il me la fallait, sinon j'allais mettre toute ma colonie en rideau, donc. Alors oui, j'ai vu aussi, hein, bon, j'utilise ces pavés-là lumineux, ce qui consomme de l'énergie peut-être un peu inutilement. Bon, je trouve ça plus stylé, c'est tout. C'est vrai que ça fait quand même pas mal d'énergie consommée rien que pour les routes, quoi. Mais bon. Ce sera pour quand on sera à la fin de la colonie, on fera ça. C'est où? Jane, hop. Voilà, on fera ça. Et on pourra admirer notre colonie de nuit. Et ce sera quand même un peu cool. Non? Quand on verra de loin comme ça. Hop. Always days. Ah, on a 400 de ressources. Alors, enfin de. Alors, on va s'attaquer au colonial. Et donc là, on va avoir énormément de choses. On a la statue. On a les plaques commémoratives, on a tout ça. Bon après tout ça, voilà, c'est des. Donc en jaune, normalement, c'est du premium, donc on peut pas les installer, il faut avoir le compte premium chez APE Apps. Ok, donc ça, voilà. Les fermes hydroponiques. Ce que je voulais, ouais, ce que je voulais, moi, c'était les banques. C'est ça le paradoxe. Pour les banques, il me faut du civique. Et pour du civique. Dans quelle catégorie? Donc évidemment non. Entertainment. Non.
Terraforming, ok. Alors, économie. Voilà. Donc il va me falloir. D'accord, ok. Alors, ça... D'accord, ok, oui. Donc, l'accès à Internet augmente quand même le QI. Donc, on a déjà au moins ça pour augmenter le QI de notre population. Donc, j'ai bien fait d'en construire 5. Sauf que... Ben... Hein. Donc, c'est quoi? Il faut que... Donc on va faire ça. Donc on va faire ça. Ah oui, mais ça me coûte combien de créer un statut? 200? Ouais, mais non, on peut créer le mass driver, donc on va plutôt créer le mass driver. La statue, c'est 1x1. Allez, hop, on va juste faire ça comme ça. Et on va le construire rapidement. Ah d'accord, ok. Par contre, il met un peu de temps à se construire, évidemment. Bon. Et au moins, on va commencer à pouvoir déjà à vendre des ressources. Et ça, c'est cool. Et donc il va falloir que je construise ma statue. La statue, elle doit générer un petit peu de civisme. Ou alors faut que je crée une école absolument. Je sais pas trop où. Donc bah, la prochaine étape, ce sera peut-être l'école. Maintenant, faut peut-être passer par là pour... Parce qu'avant, on pouvait directement construire les banques. Non, pas les banques. Le consul, on pouvait au moins créer le consul, il me semble. Mais là, ça semble même pas le cas. J'ai que la statue, en fait, dans le civisme. Et puis la plaque commémorative qui est en... Ok. Et donc là, voilà, je peux vendre. Je peux vendre des choses. Donc éventuellement, par exemple, je peux vendre ouais, de l'eau à 40 dollars pièce là. Bon, ça c'est pas ouf. Le bois est un peu plus avantageux. Après voilà, on a le style ça vaudrait le coup d'en vendre, hein, mais évidemment. Ouais. Ou je vends de l'or tel quel. Donc voilà. De toute façon. D'accord, par contre, si la viande, ça vaut. Enfin, la nourriture, ça vaut le coup d'être vendue. Donc ça, on va juste remonter un petit peu nos finances. Oh oui, beaucoup. Alors attendez, on peut remonter nos finances assez facilement là. Parce que la nourriture, j'en ai largement ce qu'il faut. On va juste redescendre jusqu'à un prix à peu près correct. Dès qu'il arrive à 100. Voilà. Bon, voilà, donc là j'ai 12K de voilà de en pognon. Donc voilà, donc ça va me permettre déjà de respirer pas mal. Ça va me permettre de respirer pas mal. Après voilà, après faudra faut que notre distillerie elle produise plus, mais ça il nous faut plus de population, tout ça. Ah. Bah oui, on va payer, oui.
Alors attendez, donc là par contre pareil, on peut importer de la nourriture, mais voilà. Mais voilà, la nourriture, on en produit, on a les champs de patates, ça produit, donc voilà. Putain, mon Dieu, on est en train de devenir la Belgique. Non, je rigole. En fait, on est la colonie belge, quoi. On fournit en patates. Bon. Non, j'ai rien contre nos amis belges, hein. Bien au contraire. Amis belges, je vous salue. Alors, écoutez, bah, on aura au moins développé ça. Est-ce que je peux. J'ai 900, est-ce que je peux construire ma statue quand même? Oh. On va juste construire la statue. Ah ouais, ok, ouais, j'avais prévu un petit peu large pour la statue quand même. Là, je peux quand même en construire 4 quoi. Et donc là, est-ce que la statue, comme je le pense. Non. Attends, ça me dit que je peux la désactiver? Donc elle me produit bien. Produit bien quelque chose. Bon. Excusez-moi, hein. Hop. Je vais juste créer davantage. Hop. De tank. De réservoir, hein, bien sûr. C'est tank, c'est réservoir. Des tanks. Voilà. Bon, ça me permet, voilà, de vider encore un petit peu plus l'océan. Parce que sous l'océan. Bah écoutez, ça va faire 1 heure. Donc, on se retrouve à l'épisode suivant. À bientôt.